Salut à lui mes petits aigris, c'est Ken le survivant et on se retrouve pour la suite de nos aventures en coop sur Dead Space 3. Donc je suis avec Butch et on va avancer donc là où on était, donc là où on galérait un petit peu. T'entends le petit bruit? C'est là. Oh, synchronisation. C'est bizarre un peu ce salon. Ouais. Les spécimens trouvés jusqu'à présent partagent des caractéristiques étonnantes. Faut aller où là? Des branchies, mais aussi des vessies natatoires et des nageoires pliantes. Des vessies natatoires, c'est ça qu'il a dit. À moins qu'elle ne l'ait pas toujours été. Des nageoires pliantes. Je crois que cette planète était autrefois un océan. Des fois, ça mais déconne. Un événement aurait causé un gel soudain. Attends, mais il doit y avoir un truc à débloquer là, non? Parce qu'on a. Ouais. Ah oui, elle est là-haut. C'est ça? Ah, je la cherchais. Tu me protèges? Ouais. Donc là, je vous rappelle, juste pour rappel, hein, on essaye de foutre les membres de l'autre là. Ok, c'est le dernier. Tiens, tu reviens Rosetta. Maintenant? Ouais, j'arrive. Et on va la reconstituer. Oui, donc faut expliquer qu'on a changé nos armes et que maintenant nos balles font de l'acide. Voilà. Et que l'acide, ça pique. Et surtout qu'en fait, je ne mourrai plus dû au. Parce que, en fait, il y a un petit item qui existe et qui permet de ne pas mourir quand vous tirez sur vous. Un peu cheaté, mais bon. Donc je peux utiliser de lance-grenade. Donc il nous cherche. Hein. Et merde. Il y a les vaisseaux de Danik qui survolent la zone. Oh mon dieu, ça fait pas repérer. Bizarre qu'on puisse. Ah non, mais on redescend là, non? On n'était pas arrivé par là? Ouais. Le voilà. Ah, ils nous en redavent. Oh. Ouais, je suis pas. Il est pas content. Bon, bah, on va monter, hein, on va courir. C'est bon, t'es rentré? Hop. Tu les vois? Tu les vois? Oula! Il y en a qui se passent. Enfin, les mobs vont de plus en plus vite. Hein. Ah, on retourne sur le labo de Rosetta là. Hop, faut monter. Ah, t'entends? Si, si. Là. Donc, ça, on a compris le système. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ah mais ça aide vachement. Oh, petite vidéo. Ah. Ça, ça fait. Oh la vache. Là. La musique. On est un petit peu plus coriace que les deux autres zigotones, ouais. Ouais, carrément, c'est des. C'est des putains de cagoles. Oh là là. Oh mais là, je rame, limite je rame tellement qu'il y a des mobs quoi. Ils sont un peu trippés. Ceux-là ils vont extrêmement vite. On se croirait dans Dragon Ball Z, tu sais, ils font que se téléporter. Ouais, il n'y a pas vraiment une téléportation, mais en tout cas ils vont vite. Ah si si si, ils se téléportent droite à gauche. Là j'avoue que j'ai un peu lagué quoi. Établi. Tiens, hop, vite fait. Ah, oh, ça recommence les jouets. Oh non. Sérieux? Ouais. Oula, il s'arrête. Je vois quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le jouet? Non. Je vois que t'as quelque chose dans la main. Et c'est tout. Le jouet, il a bougé. Oh là là. Oh là. Toi, ça m'a fait flipper. T'as la gueule de ma femme, en fait. Ah bah j'ai pas du tout la gueule de ta femme, ah. J'ai... Ouais, c'est juste... Oh, il est juste vérifier quelque chose. Il est en train de partir en live ton perso. Oh ouais,
Là, si tu veux, il y a un jouet qui m'a regardé. Puis d'un coup, son bras, en fait, a bougé. Il m'a pointé du doigt. Ah, c'est une mission facultative. Ah, mission facultative, bon, ça, ouais. On verra plus tard, hein, bien sûr. Et après, toi, tu t'es approché et j'ai vu la gueule de ma femme, mais comment dire, hein, quand elle était morte, quoi. D'accord. C'était pas vraiment très, très beau à voir, quoi. C'est la mission facultative. On fait toutes les missions facultatives hors vidéo, hein, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Mais c'est vrai que ouais, l'histoire de mon personnage à moi, elle est vraiment sympa, quoi. Bah ouais, sachant que en plus tu es le personnage secondaire, donc ce qui est débile, c'est que Isaac n'a pas vraiment d'histoire. D'ailleurs, je prends une petite pause là-dessus. On a fait les missions facultatives, il n'y a aucun script. Ce qui veut dire qu'en fait on va au point A au point B pour déverrouiller une caisse. Et c'est haché. Autre gros problème du jeu. De la décontamination. Ah oui, c'est vrai qu'on va au laboratoire. C'est qu'on n'a pas d'ombre. Donc ça c'est Butch qui l'a trouvé. Vous voyez, il n'y a aucune ombre de jeu. Et ça, c'est vraiment à chier aussi. Et si tu te mets devant un lampadaire, ce que tu veux, ça bouge pas. Facile. Mais par contre, il faut différencier les quêtes facultatives en coop et celles solo. Oui. Enfin, qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est voilà, celles qui sont solo, c'est vraiment aller trouver une caisse. Celles qui sont en coop, c'est l'histoire du personnage secondaire. Et ça, c'est intéressant. Qui est assez gore d'ailleurs, mais qui est assez sympa. Mmh. Ah, tu as vu l'œil qu'on avait vu tout à l'heure? Non, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire là au fait? On regarde. J'ai pas suivi. Faut lui parler à la dame? Non. Bonjour madame. Où est-ce qu'on est en train de parler quand ils ont parlé? Activer le truc. Non. Merde, je reste un peu. Ah, peut-être lui parler à la dame, ouais, t'as raison. On moi, je peux pas en tout cas, peut-être toi, mais. Qu'est-ce qu'on. Voilà, on était en train de parler quand il était en train de faire le truc. Ou alors les. Ah, voilà. Ah oui, il faut les mettre dans le bon ordre. Oh là là, non. Ok, alors. Où est la tête, selon vous? Alouette. Ah ouais, carrément, quoi. Demande où est-ce qu'elle est la tête. Bah, la tête, elle est au premier plan, parce que de toute façon, c'est un truc qui est coupé, tu sais. Celle-là, la tête, non? De quoi, celle-là? Non. Non, parce que regarde, elle est coupée des deux côtés, ça peut pas être la tête. Tu vois le truc? Regarde, la tête, elle est là, au ok, fond, ça ressemble à... Celle-là, elle est pas coupée des deux côtés. De... Celle-là, okay. Regarde. Bon, ok, ça si, ressemble si. À rien. Et comment on va faire pour l'assembler? Il doit bien y avoir un truc. C'est un truc de ouf. Celle-là, on dirait vraiment une tête, hein, celle que j'avais déplacée. Hein. Bah, en haut, en tout cas, y a plus rien. Attends. Si je me trompe pas. On va partir okay. Du haut. Ça commence à prendre forme, là. Hein? Ah ouais? On approche du but? Difficile à dire, mais une forme se dessine. Regarde. Ouais, je dirais ça. Et là, le problème, c'est celui qui est devant. Hein. Celui qui est devant. Bah, pourtant, il n'y a rien au fond. Voilà. Attends, hein, je regarde. Là, tu vois, t'as une sorte de bras. Ensuite, t'as une sorte de tronçon. Ensuite, t'as 3, 4 points, tu vois. Ouais, je sais pas, c'est un peu dur quand même. Tu regardes sur le sort de tronçon, tu vois. T'as... Ouais, c'est pas dégueulasse, hein, ce que je fais, là. J'avoue. C'est lui, je crois. Attends. Fin de l'assemblage. Ah. Oh, on a géré. Initialisation du codex en cours. On a géré. Voyons voir ça. Donc maintenant, faut... Voilà. C'est un sacré monstre. Hein. Ouais. La voici. Présente Rosetta. Où est la tête? Alouette. Elle n'a pas de tête. Ou pas? Ah bah. Pas une femme. Pas vraiment. C'est un extraterrestre. Ah bah, sans déconner. C'est quoi ce bordel? Ça veut dire qu'ils l'ont déchiffré avec la machine extraterrestre avec le cerveau adapté. C'est brillant. Ok, voyons ce qui se passe si on l'active. Ça risque d'être bizarre. Croisons les doigts. Oh
que je vois. Ouais. Oula. On va laisser les gens regarder. S'aspirer. Ah, c'est la lune, t'as vu? Qu'il a compris. T'as compris quelque chose? Il y avait un monolithe. On s'était planté. Les monolithes ne viennent pas d'ici. Ah. Ah. Les extraterrestres. Ils les ont trouvés comme nous et ils sont morts. Ah. Ça les a tués. Ouais, c'était bien ce qu'on pensait. Tirés dans le ciel pour tout finir. Oh mon Dieu là. La Lune, la source du signal, pas la machine. La Lune est la convergence. Les extraterrestres. Leur machine devait geler la planète afin d'empêcher la convergence. Ok. Si la machine s'arrête, tout va fondre. La convergence aura commencé ici et... Partout où les monolithes se trouvent. Et alors? Oula. C'est la clé. La clé pour l'arrêter. Merci d'avoir fait tout le travail. Non! Les monolithes de la Terre vont l'attirer. Vous ne comprenez pas ce que vous J'ai faites. J'ai pu commettre quelques erreurs, c'est vrai, mais tout est clair à présent. Notre formidable renaissance n'a pas été retardée uniquement par les hommes. Il y avait aussi cette machine. N'approchez pas de la machine, Danik. Non! Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir l'arrêter. Les natifs de cette planète ont préféré la mort à l'évolution. Je ne laisserai pas l'humanité reproduire la même erreur. Ne faisons plus qu'un, tous ensemble. Eh bien, tu es là. Ah, la gourdasse. Bon, on va courir, hein. Mais quel connard! Il a fermé! Attendez, il y a une commande manuelle dans la cabine, je peux l'ouvrir d'ici! Non! Il n'y aura pas le temps! Voilà, c'est ouvert! Vite! Je suis juste derrière! Je suis en train de cramer, là. Ouais. C'est chaud. T'as réussi à monter, toi? Ouais. Mais j'ai pas réussi. J'aurais dû m'expliquer un peu plus. Donc il faut aller hyper vite, quoi. Ok, alors, le coup de la lune, j'avais pas compris, mais on comprenait bien au début qu'ils avaient trois monolithes et qu'ils étaient tous morts. Mais en quel fait. Connard ouais. Il a fermé. Attends, il y a une commande manuelle dans la cabine, je peux l'ouvrir d'ici. Non, il n'aura pas le temps. Voilà, c'est ouvert, vite. Je suis juste derrière. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, elle, tu sais qu'elle a crevé. Dysfonctionnement. Il faut baisser la porte. Allez, allez. Ah non, peut-être pas. Ellie, et merde! Ellie! Non, elle est bloquée. C'est pas bon! Ça va bien trop vite! Isaac! Je t'aime! Fais-le! Je t'en supplie! Isaac! Je t'aime! Allez, allez. Oh. Oh putain! Oh, bah. Bah, je voulais pas en fait. En fait, j'ai eu un E. Et je l'ai pas fait, et en fait on est mort. C'est cool, hein. Ouais. Sans pitié, tu sais. Je pensais qu'on avait un choix, tu sais. En gros, quand elle commence à parler, tu dis mais non, ta gueule. Allez, il a fermé. Il y a une commande manuelle dans la cabine, je peux l'ouvrir vite. Je trouve ça un peu dommage, non, parce que... Il n'aura pas le temps. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de la sauver ou pas de la sauver, quoi. Ouais, je Donc, toujours linéaire.
Dysfonctionnement. Il faut baisser la porte. Bon, bah, tant pis, hein. Ellie, et merde! Ellie! C'est pas bon! Ça va bien trop vite! Isaac, fais-le! Je t'en supplie! Isaac! Je t'aime! Donc là, je suis obligé d'être ici. Oh là là! Adieu! Isaac! Non! Hé! Hey, non! Allez, tu vas pas chialer! Non. Bah si! Non! Oh là! Le gaz! Il arrive! Il faut partir! Maintenant! Non! J'ai plus qu'elle. Bah tu l'as plus maintenant. C'était sa mission! Elle savait à quel point c'était important! Nous devons finir le travail pour elle! Ou compris? Pas. Est-ce que c'est clair? On dirait un bébé. Alors venez! Tu sais, les enfants, ah, ta gueule. C'est-à-dire que c'est toi qui dois sauver la planète, quoi. Allez. Ouais. T'as pas le droit d'avoir de sentiments. Allez. Oh putain, ça arrive, il va falloir qu'on se... Ben bah, ouais, si tu arrêtais de pleurnicher, c'est déjà sorti. Lol. Qui s'est quoi? D'accord, excuse-nous. Ça, ça pue. Je l'ai laissé. Oh, ta gueule. Elle était conne. Ellie. 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 C'est mon. Isaac. Hey. Restez concentrés. Je suis vraiment sans cœur, c'est pas abusé, blague, j'adore comme. Je compte sur vous. Allez, Tannik se dirige vers la machine. Il faut à tout prix l'arrêter. Nous devons l'arrêter définitivement. Oula. C'est compris. Ok. Petit bug. Ok, 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 okay moi, c'est cool. Même mon mec, il était chaud. Ok, ok, ça va, d'accord. Détends-toi. Elle disait que la machine se trouvait sous cette installation. Si nous réglons nos traceurs dessus, ils nous conduiront à Danik. Pourquoi pas. Du coup, il y a des pattes. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? S'il est passé. Ça fait mal. Oh, tu l'as démonté. Tu peux juste me... Non? J'ai pas envie, putain, faut toujours tout faire. Il cherche le codex. Arrêtez-le. Nous allons tous s'en être. Oh, il est là. Tu m'as ralenti? Moi? Comment tu veux que je te ralentisse? Bah, regarde, c'est bien. Oh là là. C'est des kebabs. Ah, ouais, t'es mort. Je me suis fait shooter par derrière. C'est chaud, hein. Putain. Là, c'est chaud. C'est chaud. Mais tant mieux. Je vais peut-être changer d'arme. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fumé. Avec quoi? Avec une arme. C'est tout, bon sort. Lui, je l'avais pas vu. Ah bah, ils t'en ont voulu. On va peut-être pas rusher. Ou j'envoie des grenades ou je sais pas quoi, mais là, c'est vrai que c'est un peu tendax. Attends, laisse-moi y aller en premier. C'est lui qui fait mal, surtout. Comment ça se fait que je suis ralenti? C'est une grenade qui fait ça. Ils ont balancé. Ok, là, peut-être, non? Oh là!
Voilà, on a géré. Non, c'est pas là, ça c'est, tu sais, c'est le truc. Ah oui. C'est un bon thème, à mon avis. J'ai pas envie d'y aller là-bas. Si, moi oui. Bah en fait, j'ai envie de finir le jeu, comme ça au moins c'est fait. On y est presque là, de toute façon. J'ai envie de tuer tout le monde, là. Tu veux l'avoir, cette putain de guerre. Ouh là là. Ah. T'as vu qu'il y avait le truc là-haut. Ouais. Il faut pas qu'il nous repère. On peut le ralentir ou pas? Je ne sais pas, non. Mais j'ai speedé. On peut pas. Tu viens pas? Bah, deux secondes. T'as tout speedé. Moi, je passe ah non, mais après. C'est pas là. Putain, tous les mobs ils sont là. Ah bah, bah maintenant je suis tombé. On va faire sortir ça. Voilà. On va rentrer là-dedans. Oula. C'est par là qu'il fallait aller. Vernis flamboyant. Enfin un endroit. Ah oui, parce qu'on a. Oh, peut-être un endroit qu'on n'a pas encore vu, ça serait bien, parce que là, on m'a saoulé un peu tout à l'heure d'être toujours au même endroit pendant une demi-heure. Oups. On vous expliquera un peu tard. Oh. On se fait avoir par derrière. Faut que je recharge. Grenade. Ça commence à être tendu, hein. Oh, je vais éclater la tête à lui. Et là. Il commence à y avoir du monde, hein. Attends, on n'a pas terminé encore. Attends, je vais les shooter au snipe. Oh putain, désolé. Fais gaffe, ça arrive, il y a les micros machins là. Je suis à terre, hein. Ouais, j'ai du monde. Non, on va pas passer là. C'est trop chaud. Non. Non. J'essaie de venir te sauver, mais. Bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mobs, quoi. Ouais. Oh putain. Grenade, fais gaffe. Oh, par derrière. Okay. Ah, il m'a tué. Il y en a trop. Il y en a 3 ou 4 qui arrivent par derrière. On va se caler dans un coin. Ou alors on va vers le. Ralentis-le. Voilà. Alors là, j'ai trouvé un coin à l'aise là. Ouais, vas-y, vas-y. Un méca charognard à placer, quoi. Ouais, mais attends, pour l'instant, on va vider. Oh là là, mais... moi, je vais me caler dans le coin. Ils
recharge, putain. J'y arriverai pas. Oh non. Bon, je suis en bas, fais gaffe. Ah, c'est ce duo qui nous défonce. Essaye juste de me réactiver si tu peux. J'arrive. Mort. Ouais, je vais crever. T'es mort. Non, c'est trop de fou. C'est chaud. C'est chaud, les amis. Et là, on rigole pas. Recule. Recule, recule, recule. Je recharge, je recule. Et une grenade. Hein? Grenade, non. C'est les mecs du haut en fait qui nous défoncent, hein. Plus ou moins. Ah, hein. Oh, je suis tombé, je crois. Reprendre la live si tu peux. Ouais, je suis en train, c'est bon. Je suis en train de prendre les trucs. Faut qu'on bute absolument les mecs qui sont en haut, quoi. Moi, je peux les buter, mais il faut que tu me protèges. Ils vont me fumer. Non, ils sont 4. J'en ai 4 sur moi, c'est infaisable. Bon. J'arrive. Ah bah t'en as encore 2. Ah t'es où? Je suis mort. Non, non, non. Allez, tiens le coup, mec. Oh, j'ai géré. Oh là là. Ouf. Oh, GG. J'avoue. Ah, merci de jouer à deux, parce que putain, oh, allez, on joue à Tetris, là. En espérant qu'on va pas se faire attaquer pendant qu'on joue à Tetris. C'est bon. Eh ouais. Je passe en premier pour le prochain. Ok. Bon, et ben... La musique entraînante. Fais gaffe à ta vie. Ouais, j'ai rien. Donc on va faire une pause là. Et ben je vous remercie d'avoir vu en fait cette petite vidéo avec moi et Butch. On a bien galéré, vous voyez, quand il y a beaucoup de mobs, c'est très difficile de gérer. Et surtout de ne pas mourir. Nous sommes à l'épisode 16, donc ce qui veut dire qu'on y est presque. Il reste 3 épisodes, donc on est presque à la fin du jeu. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir que nous à regarder ces vidéos, parce que nous on en prend énormément à les faire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye. Tchou.